Pardonnez mon insistance, docteur. Il fallait absolument que je rencontre mon client. Sa signature est indispensable pour différentes opérations à suspens. Puisque vous m'avez promis de ne pas le déranger longtemps. Tenez, nous y sommes, chambre 34. Une seconde que je trouve la clé. Voilà. Pensez-vous qu'il puisse bientôt rentrer en France? Ah, vous m'en demandez trop, maître Lafitte. Vous m'avez bien dit que son état n'inspirait plus aucune inquiétude. Mais malheureusement, je ne puis pour l'instant l'autoriser à quitter la clinique. Et pourquoi donc? Mais nous devons le garder quelques jours en observation. C'est préférable, supposez qu'il ait une rechute. C'est pour éviter cette rechute que vous l'enfermez. Non, mais il y a eu trop de publicité autour de l'attentat dont votre client a été victime, maître. Je ne tiens pas à ce que des nuées de journalistes viennent compromettre sa guérison. Et à ce propos, je vous demande d'éviter tout sujet susceptible de l'énerver. Il est encore très faible. Non, je suis persuadé que ma visite lui fera le plus grand bien, docteur. Espérons-le. Je vous laisse. Docteur. Ça fait quand même plaisir de voir une tête connue. Eh bien, cher monsieur, j'ai apporté quelques papiers dont vous devriez prendre connaissance. Non, écoutez, te fatigue pas, hein, on est entre nous. C'est une chambre pour dingue ici. Alors c'est capitonné, c'est insonorisé, tout. Ça n'interdit pas d'y coller des micros. Tu me prends pour qui? J'ai tout vérifié, tu sais, même les sonnettes. Non, ça m'étonne pas de toi, ça. Tu sais que ça passe le temps, alors j'ai rien d'autre à faire, moi. Comment te sens-tu? Bon, un peu mal à la tête. Quelques bourdonnements dans le citron. Bon, ça pourrait aller plus mal. Mais c'est, le cuir est solide. Hein. D'après le toubib, tu es quand même resté près de 48 heures dans le cirage, mon vieux Jésus. Sans blague. Ben, tu sais, il faut pas croire tout ce que disent les docteurs. Bon. Et t'as pas une cigarette, par hasard? Tiens. Et puis tu peux garder le paquet. C'est qu'il m'interdit, ça aussi. C'est bon, hein? Je me sens vivre. Ils veulent rien me donner, hein? Pas de tabac, pas de journaux, Tout soit tranquille, tu auras de quoi lire en sortant. Le vieux a constitué une jolie collection de coupures qui te concernent. Mais là, tu dois être content, hein? Ça, tu le connais, il déteste la publicité. Tu as laissé un cadavre sur le carreau avant de te faire sonner, c'est ça qui l'ennuie. Ah bon? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Ils étaient tous les deux bien décidés à me supprimer et à me larguer dans le grand canal, alors. Encore heureux qu'un groupe de gens soit sorti à ce moment-là d'une réception, juste comme on t'assommait. Le type a dû supposer qu'il t'avait tué, alors il a filé. Ah oui, et l'autre? Celui que j'ai eu, là, on sait qui c'est? Officiellement, non. Le parfait mort anonyme. Pas de marque de tailleur sur ses vêtements, rien dans les poches, à part un ticket de Vaporetto usagé. Ouais. Un professionnel, sans aucun doute. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'une agression pour te dévaliser, mais j'ai bien l'impression que la police soupçonne autre chose. On t'a interrogé? Pour la forme, oui. Mais n'empêche qu'ils ne te laisseront pas filer facilement. Il y a un vieux bonhomme à l'entrée qui doit appartenir à la questure. Il m'a quasiment photographié. Tiens, mais c'est vrai? Comment t'as pu venir? Les visites me sont interdites. Pas à moi. Je me suis présenté comme ton notaire. Je suis pas encore à dicter mon testament. Hein. Enfin, c'est bien gentil de bavarder, mais j'ai peu de temps. Le docteur ne m'a accordé que 10 minutes, alors si tu veux bien éclairer ma lanterne. Bon, alors, qu'est-ce que tu sais de mon histoire? Rien, presque rien. Le vieux m'a cravaté à l'aéroport, comme je revenais de Beaune, et il m'a collé dans le premier avion en partance avec ordre de prendre ta suite ici à Venise. Bon, alors, si j'ai bien compris, il suppose qu'un agent adverse s'est introduit dans notre réseau local. Oui. Et alors, sur quoi se base-t-il? Une série d'incidents assez bizarres. Tu sais qu'on entretient en Italie 2 réseaux opérationnels dont les activités couvrent uniquement le Moyen-Orient. Oui, ça, je suis au courant. Flamme 1 travaille à partir de Gênes. Et Flamme 2 opère de Venise. Oui. Alors, c'est de ce réseau-là qu'il s'agit. En 3 mois, 10 de ses meilleurs agents expédiés en mission... Disparu? Oui. Arrêté ou liquidé? Ça, on ne sait pas. On n'a jamais plus entendu parler d'eux, ça. Et tous appartenaient à Flamme 2? Mais le plus étonnant, c'est qu'ils se rendaient dans des pays différents qui ne sont pas du même bord. Enfin, il y en a 2 qui allaient en Grèce, 4 en Yougoslavie, 1 au Liban, 1 autre en Israël, et les 2 derniers allaient en Égypte. Oui,
Ça laisserait supposer qu'il s'agit d'un concurrent qui élimine systématiquement nos agents. Eh bien, mon petit vieux, tu crois pas si bien dire. Mais il y en a quand même un qui est revenu. Ah oui? Oui. Et c'est comme ça que le vieux a vu ses soupçons prendre corps. Voilà. On a reçu un rapport fumant à Paris, où l'agent en question, Maurice Léger, expliquait qu'on avait essayé de le descendre, à peine débarqué à Beyrouth. Alors, l'adversaire connaissait exactement son heure d'arrivée, sa couverture, le but de sa mission. Et il n'a pas pu l'identifier? Ouais, sans doute que non. Hein. Enfin, de toute manière, Léger n'a pas eu l'occasion de donner beaucoup de précisions supplémentaires. Il s'est fait descendre moins de 6 heures après son retour. Non. Ouais, c'est... Ah, il y a une chose certaine. Et il connaissait son assassin. Oui, ça, il le connaissait parce qu'il s'est pas méfié. Il a été tué chez lui, de 2 balles, et pas de trace de lutte, rien. J'ai eu travail, quoi d'autre? Bah, le vieux m'a expédié avec mission de découvrir le petit rigolo qui nous torpille dans le dos, voilà. Il faut croire que tu as trouvé quelque chose puisqu'on a voulu te supprimer à ton tour. Tu as une idée? Bah, non, pas la moindre. Hein. J'ai fait le même raisonnement que toi. Je nage complètement. Oui. Écoute, il y avait 3 jours que j'étais à Venise quand on m'a attaqué. Hein? Je te promets, j'avais pas la moindre piste solide. Bah, il faut croire que si. Oh, c'est sans doute un petit détail, une erreur commise par ton adversaire. Il a dû y réfléchir plus tard et craindre que tu t'en aperçoives. Mm. Bon, bah, il va falloir repenser point par point à ce que tu as fait pendant ces 3 jours. Mais j'y pense. Moi. J'y pense depuis que je suis enfermé ici, mais je ne fais que chercher. Eh ben, à deux, ce sera plus facile, crois-moi. Voyons, par quoi as-tu commencé? Ben, je suis arrivé le matin de bonne heure à la station centrale de San Lucia. Le temps de jeter ma valise dans un petit hôtel, Calle Misericordia, à 2 pas de la gare, et j'ai appelé Pizzelli. Qui est-ce? Alors, Amadeo Pizzelli, c'est le responsable du réseau. Mm. Il est agent de voyage, enfin, c'est une profession très pratique et qui permet de se déplacer fréquemment, tu comprends, sans attirer l'attention. Mm. Alors, Pizzelli m'a paru très préoccupé au téléphone et fort désireux de me voir au plus vite possible, tu comprends? Ouais. Alors, on a convenu un rendez-vous. Je l'ai retrouvé un peu après à l'endroit indiqué, devant le palais Gritti. Là, il était venu me chercher un canot. Seul? Non. Non, non, il était avec son chauffeur. Enfin, son conducteur. Je lui en ai même fait la réflexion. Il fait aussi partie de votre organisation? Si, mais n'ayez crainte, Beppo ne répétera pas notre conversation. Vous êtes beaucoup trop confiant, Pizzelli. Non, Beppo est sous les muets de naissance. Et puis, de plus, il nous tourne le dos pour le cas improbable où il serait capable de lire sur nos lèvres. Bon. Alors, comment se présente la situation? Ah, mal. Je suis catastrophé. Si cela doit continuer, il vaudrait mieux interrompre totalement les activités de mon réseau. Mais c'est peut-être ce qu'on cherche. Vous avez des soupçons? Oh, des soupçons. J'en arrive à soupçonner tout le monde. Mais ça, c'est une excellente méthode. Vous devriez commencer par vous-même. Tiens. Comment ça? Vous m'accusez? Non. Mais convenez que vous êtes tout de même à la source de toutes les informations. Oui, c'est exact. Mais comme c'est moi qui suis à l'origine de ce réseau, je ne vois pas ce que je gagnerais à éliminer mes propres agents. Alors, on a vu des choses plus surprenantes. Hmm? L'argent provoque des phénomènes inouïs, vous savez. Oui, seulement vous ignorez quand même un détail important. Ah oui? Et lequel? C'est également moi qui finance ce réseau, pour la plus grosse part, alors. Oui. Mais vous pourriez avoir des mobiles politiques. Et puis je me permets de vous rappeler aussi que c'est moi qui expédie à Paris les rapports de Maurice Léger. Mais vous aurez sans doute un motif subtil pour l'expliquer. Oh, pas besoin de chercher loin. Tenez, supposez que Léger ait expédié lui-même un premier rapport à Paris, sans en parler à personne. L'homme que nous recherchons doit être assez adroit pour éviter ce genre de faute. Ouais. Ben, dans ces conditions, je vois pas très bien comment nous allons pouvoir collaborer. Hein? Essayons toujours. Non, je tenais simplement à vous signaler que je ne rejette aucune hypothèse a priori, même la plus farfelue. Bon, cela dit, le vieux estime qu'on peut vous faire confiance. Alors. Merci quand même. Eh bien, alors, vous avez sans doute des tas de questions à me poser. Une seule. Vous, mis à part. Oui. Qui d'autre a la possibilité de dénoncer vos agents? Vous y avez sûrement réfléchi. Si, bien sûr.
En examinant tous les faits, je suis arrivé à établir une liste de 4 personnes qui répondent aux conditions voulues. Mmh. Je ne dis pas qu'elles ont tous les renseignements à leur disposition, non. Mmh. Mais elles pourraient se les procurer sans trop de difficultés. Et vous n'avez rien tenté pour déterminer le coupable? Non. Non, parce que je les connais trop. Ouais. La réciproque est également vraie. La moindre maladresse de ma part suffirait à leur donner l'éveil. Non, mais vous n'allez pas me dire que cette série noire n'a entraîné aucune réaction dans votre entourage. Ah, ça a aucune à l'échelon de mes agents. Vous savez, je maintiens un cloisonnement très strict entre mes services. Mais les 4 personnes dont je vous parle, elles, sont au courant. Et leur comportement est resté identique. Si je n'étais pas certain qu'il y a un traître dans le réseau, je dirais que nous faisons fausse route, parce que j'ai même suspecté Léger. Léger? Si. Avant sa disparition, il avait travaillé un temps avec moi. C'était un spécialiste du Moyen-Orient et il m'avait aidé à préparer notre implantation dans certains pays. Pays où, précisément, nos premiers agents ont cessé de donner de leurs nouvelles. Et c'est pour ça que vous l'avez expédié à son tour? Oui. Et sa réapparition n'a fait que renforcer mes inquiétudes. Oui, je comprends ça. Les autres agents ne rentraient pas et lui seul s'en tirait. C'était tout de même assez bizarre, non? Et là-dessus, il pond un rapport concluant une trahison. Un rapport que j'ai expédié à Paris, vu que mes conclusions à moi étaient identiques. Enfin, étaient identiques, sauf que moi, j'étais persuadé que le traître, c'était lui. Bon, vous avez donc demandé quelqu'un à Paris pour le démasquer, c'est ça? Si, effectivement. Ouais. Mais je me suis lourdement trompé. Sa mort est un peu ma faute. Bah. Mais parlez-moi plutôt de ce qui reste là, de vos 4 suspects. Oui, eh bien, il y a d'abord l'homme qui établit les contacts avec l'étranger. C'est Eric Kramer. Il est allemand? Non, il est alsacien. Ah, il a fait toute la guerre à notre côté. Intégré au service en 1948. Uh-huh. Et là, ne me demandez pas les motifs pour lesquels il aurait pu nous trahir, parce que j'en ai pas. Non. Je le cite simplement parce que ses fonctions lui permettent de connaître tous les points de chute de nos agents en mission. Bon, alors, qui d'autre? D'autre, il y a Hélène Bouvier. Elle s'occupe des faux papiers et des questions financières. Il n'y a rien à lui reprocher, si ce n'est qu'elle est peut-être un peu trop jolie pour faire ce métier. Ça arrive. Je dois aussi ajouter qu'elle était plus ou moins fiancée avec un garçon qui a disparu parmi les premiers en Grèce. Oh, ben ça prouve rien, parce qu'une disparition, ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser, c'est exact. Alors c'est pourquoi moi j'avais pris le risque d'une enquête supplémentaire. Ouais. Mais l'homme en question, il est mort. On l'a enterré dans le petit cimetière de Turcolimano, à quelques kilomètres du Pirée. Et puis il y a aussi Sarah Kolb. Comment? Sarah Kolb. Oui, et de quoi elle est responsable, elle? Des archives. Oui, en théorie, elle n'a rien à voir avec l'expédition d'agents à l'étranger, seulement, de temps en temps, elle donne un coup de main à la petite Bouvier. Voilà, c'est pour ça que je l'ai placée aussi sur la liste. Et le quatrième? Le quatrième? Bah oui, quoi, le quatrième, vous m'avez dit que vous aviez 4 suspects, alors il m'en manque un. Non, qui est-ce? Pardon, si vous permettez, je n'ai pas parlé des suspects. Je vous ai expliqué qu'il s'agissait de gens qui pouvaient réunir les renseignements voulus, c'est oui, tout. Non, écoutez, on ne va pas jouer sur les mots. Oui. Alors, qui est-ce? C'est quelqu'un qui me sert de secrétaire et qui assiste, qui assiste très irrégulièrement à certaines de nos réunions, mais peut-être par inadvertance, il aurait pu laisser échapper des informations. Je vous demande un nom, Pizzelli, hein? Pas des excuses ou des explications, un nom. Marco Pizzelli. C'est un parent à vous? C'est mon fils.
Il est complètement sonné, ton Piselli. Utiliser son propre fils dans son réseau. Ouais, ça, j'avoue que c'est pas très malin. Ouais, faut dire qu'il était pas très fier de lui, on me l'avoue. Hein. Ça, je m'en doute. C'est un bon moyen de donner prise à un joli chantage sentimental, ça. Non? Bah, d'autant qu'il est fou de son fils, le Piselli. Dans ce cas, ça m'étonne qu'il l'ait placé sur sa liste de suspects. Bah oui, ouais. Ça m'a surpris aussi. Hein. Mm. Oh, bah, en fait, il pouvait guère le cacher, tous les autres m'ont parlé de lui. Eh ben. Ouf. À part la petite Sarah avec laquelle il a manifestement une touche du tonnerre, les opinions concordent, c'est une ordure. Avec quelques petites nuances dans le choix des adjectifs, bien entendu. Et toi, ton avis personnel? Je serais assez tenté d'ajouter un superlatif. Oui, c'est le genre de gars qui me tape sur les nerfs, tu vois, à peu près. Ouais, ouais, ça je vois très bien. Mais il a l'air de se traîner dans la vie comme si de rien n'intéressait, sauf de méditer quelques sales coups. Hein? Il dit du mal de tout le monde, de tout. Enfin, la visite est terminée. Déjà. Merci. Bon, eh bien, mon petit vieux, il faut que j'y aille. Oh, mais écoute, j'ai pas eu le temps de te raconter la suite. Eh bien, tu me la diras demain. Maintenant, je me sauve. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de tendre un piège à tes suspects. Et pour ça, il faut que je voie Piselli d'urgence. Un piège? Ben, avec quel appât? Ben, moi, naturellement. Lafitte, je vous dis que c'est absurde. Ça ne peut pas marcher. Tout ce que vous allez réussir, c'est que notre suspect va deviner les coups et mettre les voiles. Inutile d'élever la voix. Restez donc calme. J'admets qu'il y a un risque, mais il faut le courir. Au pire, vous serez débarrassé de lui. C'est ça, et puis il fichera les camps avec tous les renseignements possibles sur le réseau. C'est un joli résultat. Vous préférez continuer à perdre des agents? De toute façon, il y a longtemps qu'il a dû transmettre tous ses renseignements. Enfin, il ou elle. Oh non, ce n'est pas une femme qui a pu attaquer votre collègue. Dans tous les pays du monde, on trouve des gens pour vous rendre ce genre de service, il suffit de payer. Je vous répète que je suis contre ce plan. C'est pourtant la seule méthode valable. J'ai monté ce réseau Lafitte tout seul. Il m'a fallu des années pour obtenir des résultats valables. Et je ne veux pas qu'on fiche tout en l'air. Écoutez-moi bien, Piselli. Vous allez obéir, que ça vous plaise ou non. Paris m'a envoyé régler ce problème et j'ai le choix des moyens. Ce que j'ai appris du fonctionnement de votre organisation ne m'enchante guère. Vous et moi savons qu'il y a quelque chose de pourri à la base. Il faut vider l'abcès. Alors le bistouri, c'est moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je serai obligé de faire un rapport condamnant Flamme 2. Vous savez, Lafitte, que personne ne s'est jamais permis de me parler sur ce ton. Désolé de vous paraître obstiné, mon vieux, mais je ne vois aucune autre solution. Évidemment, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut chercher ailleurs. L'absence de toute réaction serait aussi une preuve. Quoi, une preuve contre qui? Je ne saisis pas. Mais contre vous, naturellement. C'est peut-être pour ça que mon plan vous ennuie. Ah, c'est parfait. Vous avez gagné. Mais si ça tourne mal, ne vous en prenez qu'à vous, Lafitte. Alors, par quoi commençons-nous? Quel est le processus normal en pareil cas? Il faut d'abord vous établir une nouvelle identité et les papiers correspondants. Oui, ce qui regarde Hélène Bouvier, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Eh bien, très bien. Allons-y.
Bonjour, monsieur. Tu as fait des communications pour moi? Si. Il y a eu un appel pour annuler un départ sur le Vanessa. Comme nous avions eu une demande hier soir et que le voyage était complet, j'ai attendu pour prévenir la compagnie. Bon, merci, Hélène. On verra ça plus tard. Pour l'instant, nous avons un problème plus urgent à résoudre et d'un autre ordre. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté, excusez-moi. Stéphane Leroy, bonjour. Hélène Bouvier. Monsieur. C'est un nouvel agent, Hélène, et il doit prendre le secteur de maréchal. Heureuse de vous connaître. Moi-même, mademoiselle. C'est vous qui vous occuperez de mon identité? Oui, Hélène, Leroy doit partir après-demain. Il faut absolument lui établir un jeu complet de papiers. Je m'en occupe tout de suite. Quelle destination? Le Liban. Bon, moi, je vous laisse, j'ai du travail. Vous réglerez les détails ensemble. Hein? C'est ça. Asseyez-vous. Merci. Nous en avons pour un moment. Ah, il vous faudra des photos. Vous en avez? Non. Il y a un photographe, Piazza Roma. Il se nomme Pietro. Vous n'aurez qu'à dire que vous venez de ma part. Nous lui envoyons beaucoup de clients. Oui, mais enfin, ce n'est peut-être pas très prudent. Hein? Nous sommes une agence de voyage, monsieur Leroy. Des tas de gens ont recours à nos services. Il est naturel que nous ayons un photographe attitré. Vous avez une profession particulière? C'est-à-dire, je ne tiens pas tellement à ce qu'elle figure sur mes papiers. Non. Je vous demande si votre déplacement nécessite un emploi spécial. Oui, il serait peut-être bon de me prévoir des activités en rapport avec ma mission. Il va falloir que je me promène pas mal. Je dois faire le relevé des... Je ne tiens pas à être au courant. Bornez-vous à m'indiquer ce qui vous est nécessaire, monsieur Leroy. Mon prénom est Stéphane. C'est déjà inscrit sur votre fiche, monsieur Leroy. Ah bon? Ainsi que votre signalement. Tournez un peu la tête. Que je tourne la tête? C'est ça. Ah, comme ça, merci. Bon, je pense pouvoir vous donner vos papiers demain matin. Vous serez un agent commercial. Agent commercial. Approchez-vous. Qu'est-ce que c'est que tout ce matériel? Il faut que je prenne vos empreintes. Ah, c'est vraiment indispensable? Je n'ai jamais eu besoin pour mon passeport. Pour un passeport, oui. Mais il vous faut aussi une carte d'identité. Ah oui, c'est vrai, très bien. Voilà, allez-y. C'est la première fois que je viens à Venise. Ah, Venise. Il y a sûrement des tas de choses à voir. Je vais disposer de 2 soirées libres. Vous ne connaîtriez pas un guide compétent, par hasard? Appuyez vos doigts. J'appuie mes doigts? L'un auprès d'autre. Là. Là. Merci, tenez. Vous avez un chiffon ici pour vous essuyer. Un chiffon. Dites-moi, vous n'avez pas répondu à ma question, vous? Je vous donnerai le catalogue de l'agence. Vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez. Alors, toujours au travail, mon biquet. Mauvais pour la santé, ça. Je vous ai dit 50 fois de ne pas m'appeler ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? Dire un mot à mon honorable paternel. Il est occupé. Jamais trop pour moi, mon biquet. À votre place, je changerai de répertoire. Ah, et qui c'est celui-là? Stéphane Leroy. Monsieur Leroy, voici Marco Pizzelli. Je vous signale que j'ai horreur des conseils, je fais ce qui me plaît. Pas vrai, mon biquet? Moi, j'ai horreur des gens malpolis. Je ne vous ai pas parlé, non? Alors, fichez-moi la paix. Je suis comme vous, je fais ce qui me plaît. Ah! C'est une très bonne méthode, non? Arrêtez! Vous allez me payer ça. Mais arrêtez donc, tous les deux! Qu'est-ce qui vous prend? T'en veux encore? À ta disposition. Oh, la belle lame! Je me disais aussi que tu étais bien imprudent de te promener tout nu. Les voyous comme toi ont toujours un couteau. Hein? Alors, viens, mon joli, tu te décides? Je vais te faire la boule. Bon, Aitsuki, comme l'appellent les Japonais, l'enclume du forgeron. Mais c'est un gosse! Vous n'auriez pas dû le frapper si fort. Il est joli. Hein, son canif, c'est un joli joujou, affûté comme un rasoir. Eh, mais vous avez raison, c'est un gosse. Allez, confisquez le couteau, il pourrait se blesser avec. Marco. Non, ça, vous y prenez mal, vous permettez. Prenez ces fleurs une minute, merci. Vous allez voir, c'est radical, rien de tel qu'une bonne douche pour vous remettre les idées en place. À votre place, je me méfierais. Marco est vindicatif. Il voudra sa revanche et il est tout le temps fourré avec une bande de je ne sais quoi. Hélène? Oui, s'il vous plaît. J'écoute. Excusez-moi de vous déranger, Hélène. Avez-vous monsieur Leroy dans votre bureau? Oui, pourquoi? Dès que possible. Monsieur Pizzelli veut que je lui montre un dossier et je suis obligée de m'absenter tout à l'heure. Un instant, Sarah. C'est mademoiselle Kolb. Ah. Elle a un dossier pour vous. Ah bien. Vous pouvez faire un saut? D'accord. À moins que vous ayez encore besoin de moi.
Non, je ne crois pas. Ah non. Entendu, Sarah. Il vient tout de suite. Merci. Vous serez gentille de m'indiquer où elle se trouve. Vous n'avez qu'à descendre un étage. C'est la première porte à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une grande inscription, archive, sur le panneau. J'y vais. Mais dites-moi, vous me permettez de vous poser une question? Il y a quelque chose qui m'intrigue. Quoi donc? Vous ne prenez jamais plus de précautions? C'est tout de même une agence de voyage ici, non? Il doit bien y avoir des clients de temps en temps. Le bureau de réception est au rez-de-chaussée. Tout l'immeuble appartient à M. Pizzelli. Et personne ne monte ici sans autorisation. Il y a une cage vitrée en bas, vous l'avez remarqué. Oui, ça je l'ai vu, oui. Beppo s'y tient en permanence. Et quand il s'absente, par extraordinaire, il y a une cellule photoélectrique qui interdit toute irruption. Ah, bien. Voilà. Vous êtes satisfait? Tout à fait. Merci. Le roi. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça a marché pour vous aujourd'hui, mais c'est pas fini. On se retrouvera. Mon petit bonhomme, il faudra te dépêcher parce que demain, je serai déjà à Beyrouth. Tiens, puisque tu es là, tu seras gentil de dire à ton père que je vais le voir à 5 heures dans son bureau. Me fait-on vos commissions vous-même? Entrez. Mademoiselle Kolb. Ah, je suppose que vous êtes Stéphane Leroy. Exactement, on m'a dit que vous me demandiez. Oui, monsieur Pizzelli m'a chargé de vous remettre le dossier Liban pour que vous puissiez l'étudier. Tenez, le voilà. Merci. Vous pouvez l'examiner tant que vous voulez, mais ne l'emportez pas, c'est interdit. Merci. Vous permettez? Je vous en prie. Attendez. Allez, je vais faire un peu de place sur mon bureau. Ah. Tellement de paperasse en retard, j'avoue que je suis noyée. C'est vous qui vous occupez de toutes les archives? Oui. Et vous arrivez à vous y retrouver? Oh, ben, la preuve, c'est que votre dossier est sorti. Vous allez là-bas pour longtemps? Oh, je ne sais pas encore. Je dois débarquer à Beyrouth dimanche, mais pour combien de temps, ça? Mystère. Ne vous étonnez pas s'il manque des feuillets, ce sont les notes de Léger. Ah, mais... Alors, si vous voulez les consulter, il faudra les réclamer à M. Pizzelli. C'est lui qui les a. Léger, c'était l'homme que je dois remplacer? Oui. Un garçon merveilleux, plein de vie, d'enthousiasme. Ça nous a fait un sale coup à tous quand on l'a tué. Et les autres, vous les connaissiez? La plupart d'entre eux. Enfin, si on peut appeler ça à se connaître. Vous êtes un peu tous les mêmes. On dirait que vous vous composez un masque pour dissimuler votre nature. Ouais, et pourtant, on ne prend encore jamais assez de précautions. Les imprudences coûtent cher dans notre métier. Ah, vous appelez ça un métier. Pourquoi le faites-vous? Moi? Oh, moi, c'est différent. Parlons d'autre chose, voulez-vous? D'accord. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir? Oui. Mais je travaille, mon cher. Regardez tout ce qu'il me reste à faire. Alors, soyez sérieux, laissez-moi terminer mon rapport. Si je comprends bien, même si je vous invitais à venir dîner avec moi, vous refuseriez... Ça, catégoriquement. Je suis désolée, mais j'ai pour règle absolue de m'en tenir à une ligne de conduite ferme qui exclut les collègues de ma vie privée. Voilà. Vous ne m'en voulez pas? Vous ne m'en voulez pas trop, ça? Vous en vouloir? Pourquoi? Cette entorse à vos principes. Oh. L'exception qui confirme la règle. Une exception heureuse. Vous êtes une drôle de fille, vous savez. Moi? C'est un compliment ou un reproche? J'ai horreur de l'un et de l'autre. Mais à mon tour de vous poser une question. Oh, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, d'ailleurs. Posez-la toujours. Est-ce l'homme ou l'agent qui est avec moi ce soir? Pardon? Oh, vous m'avez très bien compris, ne me prenez pas pour une idiote. Vous n'avez pas cessé de me questionner. Oh, fort habilement, j'en conviens, mais de me questionner quand même. Des formations professionnelles, ça. Vous oubliez que j'ai connu presque tous les membres de ce réseau. Beaucoup m'ont fait la cour. Ils tentaient leur chance et nous sommes restés camarades, même quand ils voyaient qu'il n'y avait rien à faire. Et je vous assure qu'ils agissaient très différemment. Et en somme, vous ne me trouvez pas assez empressé. C'est bien ça? Bon. Vous êtes ici, vous me souriez, vous me parlez gentiment. Mais votre esprit, lui, fonctionne comme une machine à comparer des faits. Alors, la conclusion est facile à deviner. Quelle est-elle? Je pense que vous n'appartenez pas à notre réseau.
Vous êtes un enquêteur en mission, et cette mission consiste à démasquer le responsable de nos pertes de ces derniers mois. Voilà. Oui, mais même si c'était exact, vous savez bien que je le dirais. Mais je sais que c'est la vérité. Il n'y a qu'à voir l'attitude de Pizzelli quand vous êtes là. Bon, rassurez-vous. Je n'ai pas l'intention d'en parler aux autres. Mais vous pouvez m'aider, ça. Ah. Merci de votre franchise. Que voulez-vous que je fasse? Observez ce qui se passe autour de vous. Vous en savez peut-être plus que vous ne croyez. Notez, tout ce qui vous étonne, le détail le plus insignifiant peut avoir son importance. J'essaierai. Mais franchement, n'ayez pas trop confiance. Pas trop d'espoir non plus. Nous avons tous à un moment ou à un autre supposé qu'il pouvait y avoir un traître dans notre réseau, mais sans la moindre preuve. Peut-être parce que vous cherchiez mal. Il y a toujours dans la vie des gens quelques passages obscurs, des actes qu'ils tentent de dissimuler, parfois ce qu'ils les regrettent, mais il arrive qu'on tombe sur un fait qui ne cadre pas avec le reste. Et alors? Mais en réalité, vous voudriez que je vous serve d'observatrice, c'est ça? Aux archives, vous êtes bien placée. Et si c'était moi qui trahissais? Je n'aurais plus qu'à espérer une fausse manœuvre de votre part. Je suis méfiant de nature. Ah, ce qui veut dire que vous avez aussi fait une enquête sur moi. Bien entendu. Ah. Et je sais que vous êtes né à Haïfa, que vous avez vécu quelque temps dans un kibbutz. Je sais aussi que vous avez fait votre service militaire, très écourté d'ailleurs. Ensuite, il y a un trou de 2 ans. Vous voyez que je ne sais pas tout. Oui. Oui, j'ai voulu être comédienne. J'ai suivi des cours à Tel Aviv. Ah, je devine. Vous aviez pris un pseudonyme, c'est pour ça qu'on ne peut vous situer. Je me trompe? On ne peut décidément rien vous cacher. Hein? Une période difficile. La vie est très dure en Israël, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'étais obligée d'avoir 2 emplois pour m'en sortir. J'ai fait un peu de télévision. Oh, des petits rôles. Et le reste du temps, je donnais des leçons à des enfants. Oh! Oh, c'est une période que j'aime autant oublier. Bien sûr. Et vous ne regrettez pas trop d'avoir quitté votre patrie? Bien, j'ai le sentiment que je le suis plus utile ici. Oh, mais il faudrait peut-être songer à rentrer. Il est si tard que ça? Oh, presque minuit. À Venise, c'est 1 heure très tardive. Oh, et moi qui ai pris rendez-vous avec Kramer. Ça vous ennuierait beaucoup que je vous laisse rentrer seule, ça? Oh, mais pas du tout. Le Vaporetto me dépose pratiquement à ma porte. Voilà. Merci de cette soirée. Une seconde, je sors avec vous. Je vais encore abuser de votre gentillesse, mais j'ai oublié de poser la question à Pizzelli. Où se trouve le palais du cinéma? Bien, il va falloir que vous preniez une gondole pour rentrer. C'est dans le Lido, presque sur le front de mer. Ah, mais... À cette heure-là, il y a encore un service régulier, mais pour revenir, ça, c'est plus douteux. Eh bien, je tâcherai de me débrouiller. Vous n'auriez pas une cigarette par hasard? Française de préférence? Ah, si, si. Et j'ai même un briquet. Un briquet à essence. Ah, ces phrases de reconnaissance sont idiotes. On se demande à quoi riment toutes ces précautions. Étant donné les événements, on peut difficilement blâmer Pizzelli. Nos agents se font cravater à l'arrivée. Jamais ici. Ah, venez, ne restons pas là. J'ai un logement à 2 pas. C'est vaste chez vous, hein? Oui. Vous êtes seul en vrai. Oh. Allez, installez-vous. Vous voulez quelque chose à boire? J'ai de la grappa. De la grappa? Qu'est-ce que c'est, ça? Un alcool de grain. Dégueulasse, mais fort. Ça vaut pas le kirsch. Hein. Allez, tenez. Ouais. Santé. Santé. Ah oui, comme vous dites, c'est fort. Pizzelli vous a mis au courant? Oui, vous remplacez léger. En quelque sorte. Bon, je suppose qu'ils ont fait le nécessaire pour les papiers. Oui, ils sont en règle. Bon, et vous voulez être là-bas quand? Il faut que j'y sois le 11. C'est-à-dire samedi. On est le 7, ça devrait coller. J'y compte bien.
Vous avez un contact solide là-bas? Solide, c'est vite dit, vous savez. Il a failli être coincé la dernière fois. Même qu'il s'en est tiré de justesse. La police? On ne sait pas. Ils ont ouvert le feu sur la barque un peu trop tôt. C'est comme ça que mon bonhomme s'en est tiré. Dites-moi, Kramer, vous êtes responsable de tous les contacts du réseau? La plupart, oui. C'est un peu risqué, non? Et si vous disparaissiez? Quelqu'un prendrait ma place. En recommençant à zéro? Non, le cas est prévu. Un autre verre? Non. Merci, pas de grappa pour le moment. Merci. Longtemps que vous travaillez avec Pizzelli? Oui. Il a l'air préoccupé, vous ne trouvez pas? C'est son affaire. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Quand on perd une série d'agents à la suite comme ça, sans motif apparent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce n'est pas votre avis, vous? Mon avis, c'est que vous posez beaucoup trop de questions. Pizzelli m'a ordonné de vous acheminer jusqu'à Beyrouth, je vais faire le nécessaire. Le reste ne me concerne pas. Oui, mais figurez-vous que j'aimerais assez arriver là-bas dans de bonnes conditions de réception, vous comprenez? Je n'aime pas beaucoup votre langage. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Que je ne fais pas nettement mon travail? 10 hommes se sont évaporés dans la nature, 10 hommes qui vous avaient fait confiance. Je n'insinue rien, je constate. J'ai bien envie de vous casser la gueule. Enfin, inutile de vous énerver, Kramer. Parlez, mon vieux. Dites n'importe quoi, mais parlez. 10 hommes, 10 hommes. Et tous les autres, tous ceux que j'ai passés et qui n'ont rien eu. Bon, c'est trop facile de me reprocher. Alors, on écoute aux portes à présent. Allons, viens faire un tour à l'intérieur. Tirez-moi, ce gars-là, c'est torti. Comme c'est pas possible. Tiens. Comment on se retrouve, mais c'est ce cher Marco. Hein? Lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher, bon Dieu, mais lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Marco? C'est ton père qui t'envoie? Il va nous le dire bien gentiment, n'est-ce pas, mon gars? Je n'ai rien à vous dire. Comment diable as-tu eu l'idée de venir ici? Voyons, il n'y avait personne dans le bureau quand j'ai pris rendez-vous avec vous, Kramer. Ça m'intrigue, cette histoire. Alors, tu parles ou il faut t'ouvrir la bouche de force? J'ai bien le droit de me promener, non? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Est-ce que je vous demande ce que vous faites de vos soirées, moi? Ah là, mon bonhomme, tu en as dit trop, pas assez. Tu m'as suivi, c'est ça, hein? Ah, pour un agent, vous n'êtes pas fort. Vous êtes aperçu de rien. Bravo. Seulement, ça ne m'explique pas pourquoi tu t'intéresses à mes faits et gestes. Oh, je me fiche pas mal de vous. Ah, mais j'y suis. C'est pas moi qui t'intéressais, hein? Mais Sarah. Sarah? Ah, vous avez passé la soirée avec Sarah? Bah, pas étonnant que Marco vous ait coursé. Il la veille comme un chien de garde. Mais c'est mon droit, non? Kramer. Ouais. Il faut que je ramène Marco. Je pensais un peu m'installer dans un hôtel aux environs, mais je veux régler cette question avant. Vous avez le téléphone? Oui, je vous fais venir un canot. Vous serez gentil. De toute manière, je repasse vous voir demain. Nous réglerons tous les détails ensemble. Entendu. Je pouvais aussi bien me débrouiller tout seul. Oh, ça, je n'en doute pas. Et une drôle de façon de piloter, celui-là. Il arrive beaucoup trop vite. Bon Dieu! Couche-toi, Marco, couche-toi! Marco, tu n'as rien! Marco! Qu'est-ce qui est arrivé? On a voulu me descendre. Et ces salopards ont abattu le gosse. Et tout ça pendant que je me morfondais au fond de mon lit dans ma clinique. Hein? On a raison de chanter parfois, comme c'est triste Venise. Pauvre Marco. Eh bien, c'est lui qui a pris ma place à la clinique. Mais rassurez-vous, on l'a sauvé de justesse. Dans cette affaire, je n'avais guère un rôle actif, enfin... J'en avais eu un au début, si vous voulez, mais j'ai tout de même trouvé la solution, moi aussi. Ah oui, je l'ai trouvée. Et vous en savez autant que moi, maintenant. Alors, vous allez répondre à ces deux questions. Hein? Ça vous ennuie pas? Bon. Première question. Qui trahissait le réseau Flamme 2? Et quel est le petit mensonge qui a mis Lafitte sur sa voie? Alors, je vous répète ça pour que vous compreniez bien. Première question. Qui trahissait le réseau Flamme 2? Et quel est le petit mensonge qui a mis Lafitte sur sa voie? Deuxième question,
quel était le plan de Steve pour essayer d'identifier le traître? Je vous la répète aussi, celle-là. Quel était le plan de Steve pour essayer d'identifier le traître? Chercher et trouver. Bonjour, ici Steve Lafitte, qui vous apporte la solution. Solution que vous aviez peut-être déjà découverte. À l'origine, il y avait 5 personnes qui pouvaient être coupables du massacre systématique d'agents dont était victime le réseau. Amadeo Pizzelli, mais celui-ci n'avait effectivement pas grand-chose à gagner dans l'opération, et je l'ai très vite éliminé. Bon, il restait donc Hélène Bouvier, Sarah Kolb, Eric Kramer et Marco. Tous les 4 pouvaient être coupables. Tous les 4 pouvaient disposer des informations nécessaires. Aucun moyen de l'identifier. Sauf que nos agents étaient toujours récupérés à l'arrivée dans le pays où ils allaient. Alors de là, le piège très simple que j'ai tendu en donnant à chacun des suspects une indication différente quant à mon arrivée à Beyrouth. Le cloisonnement existant à l'intérieur du réseau suffisait à éviter un recoupement. Il n'y aurait plus eu qu'à organiser une surveillance à l'arrivée et, suivant le jour où un comité de réception aurait attendu mon débarquement, à déterminer la personne qui trahissait. Mais je n'ai même pas eu besoin d'aller jusque-là. Sarah Kolb, oui, c'est elle, Sarah Kolb s'est trahie avant. Ou plutôt la femme qui avait endossé la personnalité de Sarah Kolb. Elle avait mis parfaitement son rôle au point, mais il y avait un détail qu'elle ignorait. Oui, un détail qu'elle aurait su si elle avait réellement vécu dans l'État d'Israël. Écoutez bien, Monsieur Ben Gourion s'est toujours opposé avec une fermeté intransigeante à installer la télévision dans son pays. Et voilà. C'était la solution à notre jeu d'aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain.